Voilà! Là, j'aime bien. Là, j'aime bien. J'adore les skins Counter-Strike et sûrement que toi aussi. Tu peux te faire plaisir avec mon code MALEXCSGO sur Lkase. T'auras droit à 70 centimes pour ouvrir une caisse gratuitement et 10% de bonus sur tes dépôts. Il y a des upgrades, mais ça, c'est risqué. Donc fais très attention. Merci à Lkase pour cette intro sponsor qui soutient mon travail. Code MALEXCSGO, les amis. On va essayer de retirer des skins surtout, regarde. Qu'est-ce qu'on retire là, les gars? Qu'est-ce qu'on retire? Ça m'envoie le squeletton. Ok, on part sur du withdraw aujourd'hui, les gars. On est sur Let's Go Baby. Squeletton fade, je vais prendre aussi le squeletton fade. Je prends le squeletton fade, squeletton slaughter. Regardez, hop, c'est bon, je reçois les demandes là. Alors attendez, on va pas faire le con par contre. On va faire des trucs intelligemment. Ça veut dire qu'on va check quand même la flotte. Quand même check la flotte, on est où là sur la flotte, monsieur? Voilà, si je fais ça, 0-11, voilà, 0-11, c'est pas dingue. Examiner en jeu, les gars. On va les check. 0-11, c'est pas ouf, hein. 0-14, c'est le pire. On est en plein milieu des deux. J'espère qu'il est pas scratché. On va voir. Alors. Ouais. Ok, tiers. Ok, tiers. Ça se prend, non? Ouais, ça se retire, ça. Taper 1 pour le retrait. Taper 1 si on retire ou pas? On retire, taper 1. Allez, let's go, baby, on va retirer. Allez, j'accepte l'offre. J'accepte. Hop. Accepter l'échange. On a dit squeletton fade. En vrai, squeletton fade, c'est dur de refuser. Hein. J'échangerai contre la Médusa. Squeletton fade, ça se prend, non? 2K là. K9. Là, par contre, je vais regarder le pattern. Allez, j'échange. Le skin est là, les amis. Hop, on a la trade offer. Elle est ici. Répondre à l'offre. On est sur un 006. 92 fade. Oh, j'accepte tout de suite. Allez hop, 92% fade. C'est une acceptation immédiate. C'est une acceptation. 006, c'est pas dingue, mais 92%, c'est obligatoire d'accepter ça. 92% fade, ça, c'est la folie, ça. Ah ouais, j'ai bien fait. Théma, le jaune, jusqu'où il descend? Il descend jusque là. Il descend jusque là, le jaune. Qu'on a eu le slaughter. On a là le slaughter et on a le squeletton fade ici avec bien rose qui descend jusqu'au milieu et le jaune jusque là. Et vous voyez là le gris là ici là, il reste que ça de gris. Ah, faut descendre à 100% mais en vrai pour 92% là c'est très propre et vraiment il est pas scratché donc c'est très bien. Il est un peu grignoté ici sur la lame. Allez, squeletton fade, squeletton slaughter. Là on est plutôt pas mal. Allez, carambit de vanilla je prends. C'est irrefusable. Carambit vanilla, je vous jure que les carambit vanilla, les M9 vanilla, etc. C'est trop sous-côté. C'est trop sous-côté. Carambit vanilla, je vous jure, c'est un truc un peu sous-côté quand même, je trouve. Regardez sur CS2 le carambit vanilla. Il est full black. Il est en mode full black, genre. Vous l'aimez ou pas? Est-ce que ça s'accepte? Bof. Pas ouf. Ah ouais, d'accord. Oh, vous m'avez climatisé, c'est une dinguerie. Oh, vous m'avez retiré mon rêve. Eh, c'est comme si un enfant, il allait à Disney. Bonjour Mickey, je peux prendre une photo? Et là, vous allez le voir, dire, eh, mais Mickey, il n'existe pas. Il y a un monsieur dedans avec une énorme barbe. Wesh. Vous pouvez pas me faire des trucs comme ça, les gars. Bon, les gars, vas-y, tant pis. Allez, je prends pas. Vous m'avez... Je refuse l'échange. Voilà, je vous le dis, je refuse l'échange. Allez, stiletto fade. Stiletto fade, c'est un banger aussi, on prend. L'échange est ready. Allez, c'est parti. Stiletto fade. Allez, répondre à l'offre. Stiletto, on est ouf. 85%. C'est pourri de ouf. C'est pourri de ouf, 85%. On va voir la gueule que ça a. Vous voyez, avec un 85% sur le stiletto, c'est ce que je vous explique. C'est pas très grave. Parce que regardez, en fait, on a du violet, du rose, du orange. Et en fait la lame ici c'est pas très grave, parce que en fait ça fait acier en bas, acier en haut. C'est pour ça que je vous dis c'est pas très grave de pas avoir un 100% fade sur un stiletto. Parce que sinon t'as le jaune, il va descendre genre jusque là en gros. Et là t'as quand même de l'acier. Donc ça dit quoi sur le stiletto, les gars? Tapez 1 pour le retrait. Tapez 2 sur le refus. Tapez 1 si on retire. Tapez 2 si on le laisse. Il est ok tiers, 1-1-1-1-1, j'aime bien, 1-1-1-1-1, ok, bon, il y a quand même plus de gens qui le veulent que d'autres qui ne le veulent pas. 1000 balles ça les frères, hein. Si j'étais au fait, c'est un banger avec les Vice, avec des Pandora, dans mon inventaire, de toute façon, il va trouver sa petite place. Allez, j'accepte. M9 Vanilla ou M9 Marble Fade? Ah, je pars avec une M9, donc choisissez une des deux.
Allez, M9 Marble Fate, ça part de là. Je respecte le chat. On fait ça ensemble. Ça part en M9 Marble Fade. On va regarder si c'est un blue tip, un red tip. Alors je vous explique. Moi ce que j'aimerais, c'est que ce soit un red tip, ok? Si c'est un red tip, je suis tout nu. Oh bah c'est un blue tip. Pas dingue. Pas dingue classique. Blue tip. Anneau bleu. Pointant bleu. C'est classique. Elle est quand même jolie. Mais c'est un classique blue tip. C'est un blue tip pas mal. J'aurais préféré que ce soit un red tip. Red tip, c'est rouge en haut, rouge en bas. Le float, ouah, le float, elle est clean. Hein. On aura une deuxième alors, tu es retrait avec. Mais non, Adef, parce que l'autre, je l'ai vendu. J'en ai plus des M9 Marble Fade. Regarde mon inventaire. J'ai pas de M9. Oh putain, si, j'en ai une. Mais je vais refuser, j'en ai une, frère. Bon, la mienne, elle est plus moche que celle-là, quand même. Mais pourquoi il y a que Adef qui a remarqué que j'en avais déjà une? Oh mon dieu, Broly, Darfy, merci pour les subs. Imagine, tu vas chez Porsche. Bonjour monsieur, j'aimerais bien une nouvelle Porsche Carrera. Oui, oui, intérieur cuir et tout. Ouais. Et là, ta femme, elle t'attrape, elle dit: mais Jean-Charles, on en a une déjà dans le garage. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Vas-y, ferme-la. Oui, ne l'écoutez pas, monsieur. Oui. Mettez-moi de la totale. Salade, tomate, oignon, légende en 22 pouces, la ligne complète. Mais Jean-Charles, on en a une dans le garage. Mais j'en ai déjà une, putain. Ah, c'est très très grave. Mais comment? C'est trop grave, sa mère. Non, c'est trop grave. Oh putain, on collectionne. Bah non, je refuse alors. Je refuse, j'ai déjà une M9 Marble Fade, les frères. C'est un refus, putain. Talon Marble Fade, ça se tente, hein. Talon Marble Fade, pour 1002, je trouve que c'est ok, hein. Putain, Adef, toi, tu sais me parler, tu vois. Quand tu me parles comme ça de combinaison de zinzin, là, ça me plaît, hein. Tu m'excites, frère, quand tu parles comme ça. Me fais pas faire des dingueries. Ils ont des Kingsnake? Kingsnake en MW. Ah, mais c'est des léopards. Moi, je préfère les Kingsnake. On a retiré 3 couteaux avec un 92,46% fade pour le squeletton. Ça, c'est top. Le slaughter qui est plutôt pas mal et le fade en 85% sur le stiletto, mais qui est plutôt joli. Sur tout ça, là, on a fait un braco. Le squeletton fade à 92%, c'est un braquage. Kingsnake. Oh putain, il y a les Kingsnake. Est-ce qu'on tente les Kingsnake? Kingsnake, les gars, on est sur la lune. Hein. Et là, il n'y a pas de faute avec des Kingsnake normalement. Alors, attendez, on va aller regarder la flotte quand même. Parce que si on est sur du 007, on se met tout nu. Suite. Ouais, Kingsnake, c'est quelque chose. Ah, Kingsnake, c'est... Ah, 0,12. On est en plein milieu. 0,15, c'est le plus pourri. 0,12, et ça va jusqu'à 0,7. Donc, on est vraiment en plein milieu. Ils sont très propres, pas scratchés. Je pense qu'on est très propre. On accepte ce trade. Voilà. Là, j'aime bien. Non, vraiment, M9 Vanilla, les gars, c'est de la dingue. Et là, il faut que j'achète une M4 Prime Stream. Non, je suis désolé, mais... Ça, c'est trop stylé, frère. Moi, je vous le dis, c'est trop stylé. M9, déjà, c'est mon couteau préféré. À chaque fois que j'ai une M9, je vous le dis, c'est mon couteau préféré. J'adore les papillons et tout, mais pour moi, la M9 fait une foudroyance à tout le monde. La M9, c'est trop stylé. Quand tu l'as, c'est trop beau, gosse. Les Kingsnake sont propres. Ah, minimalware comme ça à 2000 là, c'est tout ce qu'on aime. C'est tout ce qu'on aime, mon frère. Bon, bref. Mes amis, merci de m'avoir accompagné aujourd'hui sur le live. Des bisous sur vous. On a retiré 8K de skin, sa mère. On est bien.